Ah, quel plaisir de se promener avec Bruno et de tester sa musculature en direct et tout. Bref. Bien, écoutez, vous qui êtes dans votre cuisine, c'est plus ou moins à l'heure, je pense. Faites la même chose que nous. Appelez quelqu'un pour être deux et amusez-vous avec nous. Je vous assure que c'est tout à fait crédible. Ne pensez pas que nous allons faire la vaisselle. C'est la gym au torchon, c'est ça ? Et c'est la gym avec un essuie-vaisselle. Après le foie gras au torchon. Voilà, gym on pratique. Se place. Et avec votre pantalon, on l'a fait quand, la gym ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu son pantalon ? C'est super fashion. Ouais, c'est super. Ouais. Je fais un tour sur moi-même. Voilà, il vous avez vu. Il est très ça brille et tout, c'est clair. Ah, je vais vous le prêter, Adrien. Je vais vous le prêter. Alors, Joël, nous prenons l'essuie aux extrémités en prise comme ceci. D'accord. Ok, voilà. Ouais. Parfait, Émilie. Mm-hmm. Les coudes au corps pour Adrien et pour Émilie. On va travailler en fait les triceps et les biceps. Flexion, extension, extension de bras. Regardez, donc Adrien va descendre. Ah, oui, on y va, Adrien. Émilie, faites pareil. Ouais. Voilà. Et moi, je résiste que un les petit bras. Peu. Et on met un frein léger. Et puis, c'est. Ah oui, moi, je voilà, nous remontons comme ceci. Attention, on va garder les coudes au corps, Émilie. Tout le monde les coudes au corps. Vous devez sentir, oui, tout le monde les coudes au corps. Et on sent les biceps pour Joël et moi, les triceps, donc l'arrière du bras, pour Émilie et Adrien. Soyez pas trop vache, mettez un frein qui est raisonnable, une résistance, ou on peut faire un va-et-vient raisonnable. Le biscotto de Bruno, c'est que du bluff, hein, parce qu'il est vraiment... Ah, c'est vrai, j'en peux plus. Voilà, donc sérieusement, ce sont des exercices avec une crédibilité tout à fait justifiée. Et donc ensuite, on a des gros bras, c'est ça l'idée? Oh, disons que ça dépend si vous faites la vaisselle tous les jours ou pas. D'accord. Okay. Plus ou moins 15 à 20 répétitions, 3 séries, ok, on va passer sur un exercice pour travailler le dos. Joël, on va prendre l'intérieur. Oui. Adrien, Émilie, vous allez prendre l'extérieur de l'essuie. Alors, on pousse les fesses vers l'arrière, le dos est plat. Oui. Et on va simplement faire une traction pour Joël et moi. Moi, c'est comment là ? Voilà. Voilà. Et puis, à vous de tirer, Adrien, Émilie. Juste les bras. Oui, mais attention, prenez une bonne base d'appui, c'est juste les bras. Dans la position. Exactement, exactement. Ah, oui. Adrien, on tire. Voilà, avec les coudes au corps. Pensez à mettre les coudes au corps. Il y a une résistance aussi. Voilà, et on met une résistance. On tire, Adrien. Là, on est sur le travail du dos. Ce sont les dorsaux qui travaillent dans ce mouvement. C'est pratique pour essorer les suies. Alors, il faut... Oui, c'est tout à fait. Hein? Et il faut mettre, évidemment, une certaine opposition au mouvement. Ils sont indisciplinés aujourd'hui. Le téléphone, le pantalon, c'est la galère. Et nous, on a bien fait ça. Hein. Moi, je suis Émilie, il fait n'importe quoi. Ouais. Ça l'a mis un décolleté jusque-là. C'était pas le jour. Ouais, c'est pour ça que je ne me suis pas permis de le faire avec Émilie. Sinon, j'aurais vraiment eu du mal de vous expliquer cette bonne méthode. Il nous reste 30 secondes pour faire encore un Allez, on y va, le dernier. 30 secondes. 30 secondes, j'ai dit, non, c'est pas ça. Joël et moi, sur une jambe. Ouais. Vous restez sur les deux jambes pour Adrien et Émilie. Et on va descendre, là, le plus bas possible, avec les fesses en arrière. Attention, la jupe, ça risque d'avoir la même vue que le décolleté d'Émilie. Et on descend encore. Voilà, super. Oh, ça, c'est horrible. Et là, on est sur le travail du bas du corps. Cuisses, fesses, ouais, vous le sentez, hein. Ah oui, j'ai senti, j'ai plus de cuisses. Voilà. Faites la vaisselle et vous aurez des biscottos, les amis. Mais cela dit, on peut aussi le faire ailleurs que dans la cuisine et avec autre chose qu'un torchon de vaisselle. Mais bien sûr, on bien a le sûr. Droit. Ce D'accord. que je veux juste montrer, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour être efficace. D'accord. Alors ça paraît comme ça quand on le voit, on se dit « Attends, il s'amuse ». Mais vraiment, oui, nous on s'amuse, mais vous pouvez être efficace. Tout en utilisant ceci. Oui, tout à fait. Et ce qui est très sympa, évidemment, c'est d'être à deux pour faire ce genre d'exercice. Merci beaucoup, Bruno. C'était impeccable. Avec grand plaisir.